نقار إلا ويتسارون يسوهام، إلا ويتسارون يسفهام، إلا ونقارن يوهم، إلا ونقارن يفهم، إلا وين موري فيهم كنا راه يقيم، إلا وين موري فيهم هذي بزاد يتخميم، إلا وين ميكفهم هذي تهني، إلا وين ميكفهم هذي تنادي غادي تنرني. إيش بيا ربي سي فوطخ كا، سي فوطخ كا، نوساد نفهم سي كذا بيني كورا ورزقين غراسنت، نوساد نسنرني، نوساد نسلي ووال سيكمي سلا سلا منون مرة مرحبا يسون. انسو في السون ازول في اللون ناس لما سيور رزقي نتاع عمر رزقي ما تخاف بلي كوني سو دو نون رزقي ما تخاف الوغ ناس لما ينس انسو في السي لا بدات بيان سور ماتشي من كينيا الوغ تو دو سويت اون بوتيت بيوغرافي ورزقي الوغ إلي ني سول غزلان بويرا اون 1952 إلي إكريفان بوات جورناليست بانتر كي دي ميو اوريجينار داثياني. Il s'installe à Alger à partir de 1956. Il devient journaliste en 1973 et crée en 1993 avec Tahar Djaoud, Flashia Forbin et Abdelkrim Djahad l'hebdomadaire Rupture. Et c'était la rupture à l'époque. Après l'assassinat de Tahar Djaoud, il s'installe en France en 1993. Il collabore à des journaux français, Politis, autrement, et anglais, The Guardian. Dans des conférences sur l'Algérie en France et à l'étranger, il publie des poèmes, Mourir à 20 ans, c'est jeune, Prométhée, L'amour, des romans, Romans de Kabylie ou Le livre des ancêtres, des essais, Algérie, la vérité, mais pas toute la vérité, chut, des pièces de théâtre, L'agonie du sablier, 2002, La traversée du somnambule, Le jour où Madame Carmel sortit son revolver. Je peux rajouter qu'Arzkrim est issu de famille, d'une famille, au moins, je dis bien au moins, du côté de sa mère, au moins, d'une famille d'intellectuels. Je me souviens de lui. C'était un ancien instituteur, pardon, enseignant de collège, il savait le français, il savait le romain, c'est que la géographie. Donc c'est là la conférence il y aura sûrement des questions, débats, sûrement qu'on a beaucoup de questions à lui poser. Il y aura une vente dédicace, les deux livres, là, le jour où Madame Carmel sortait son revolver, la traversée du somnambule. Voilà, donc ça c'est le contenu. Maintenant, Manoural de la conférence à Dili, il n'y a pas de Mohamed. Goulan s'était zéouzou, à la mère de Fadou, ou à Hakim Nadiak Lilan. En Narazoualan Chino, Manief Zéoussou, en Tazaziz Nishifan. Le Rabat de la Koussoura Goukaro, Goulan Ninfou, ou à la Kouban, Jerry Ilfan, ou le Kouna Rirdin. Alors, Arski Matref, Wagim Sour, c'est un texte. C'est un texte d'introduction à la conférence. La montée de l'intégrisme en Algérie a entraîné une guerre intérieure qui a fait 200 000 morts. Des milliers d'Algériens ont quitté le pays, en France, au Canada, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays du monde. Comment, à partir d'un pays étranger, écrire l'Algérie et s'écrire? C'est toute la problématique qu'a eu à résoudre nombre de journalistes, Ghazdi Bouren, et d'écrivains algériens contraints de quitter le pays. Chacun a trouvé sa voie, on l'espère. Cette conférence évoque une de ces voix. Elle laisse parler une de ces voix. Réfugié à Paris, Arzkrim Matref a vécu tous les moments de mobilisation en faveur de l'Algérie démocrate dans la capitale française. Il a mené en même temps dans une œuvre littéraire et journalistique assez féconde. Il témoigne de tout cela. Donc, Wagin Nerzi de la conférence sera suivi d'une vente dédicace. Alors, l'exil, écrire sa patrie en exil, écrire l'exil. Dans la préface de ce livre, Boualem Sansal disait que l'exil est, si Omar al-Tahrid Sabrid, l'exil est pire que la mort. Conférence. Merci de votre attention et merci d'être là. Et je m'excuse d'avoir été aussi lent.